soir dans ce magnifique écrin de la maison des politiques de Saint-Paris pour cette soirée exceptionnelle, vous l'aurez compris, parce que c'est aussi de la générosité et organisée bien évidemment par l'association AIDH. C'est une soirée qui est dans la continuité de la conférence qui se tenait hier et qui avait pour thématique les migrations d'Afrique, du Proche et du Moyen-Orient vers l'Europe, enjeux et défis à relever face aux crises migratoires. Je vais maintenant accueillir sur scène celle qui nous réunit tous ce soir, celle sans qui nous ne serions pas capables de faire un tonnerre d'applaudissements, pour Françoise Traverseau, juriste, par ces femmes-là, de soutenir la famille. Et quand on soutient sa famille,
hormis du boulot des enfants, cette migration qu'on voit, ça peut être aussi le moyen de stopper le rêve de ces enfants, parce qu'ils n'ont rien là-bas. Donc le rêve, c'est d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc si on est mieux chez soi, je pense que tout le monde aimerait rester là où il était. Mais non, si on se déplace, c'est parce qu'on a envie juste d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et je vous demande donc, je vous remercie d'être là et de nous soutenir dans ces actions. Parce que c'est la synergie qui fait avancer les choses. Sans synergie, et, on ne va pas bien. Les petits ruisseaux font des rivières. Et les rivières. De mer. La mer. Qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Je trouve que le plus beau mot de la langue française, c'est la fraternité. Et on le prouve ce soir que, heureusement encore, on a de la fraternité. Ça, c'est une chose. Ne jamais avoir la retraite du cœur, ça aussi, c'est autre chose. Et puis, en sachant qu'on est tous sur la même terre, il faut absolument que tout le monde se donne la main. Et on fasse quelque chose de bon, tous ensemble. Notre naissance et notre mort, et de même que. Alors, c'est l'ordre de tous ensemble. Merci à vous tous et félicitations à tous. Merci.
aussi de la République démocratique du Congo. Elle a gagné tout le monde. Je suis de la République démocratique du Congo. D'accord. Et vous avez une tenue très congolaise. C'est une tenue très jolie. Merci. Très charmante. Merci. Ouais, moi j'aime beaucoup les tenues. Parce que moi en fait, je travaillais à la poche, j'étais très mal payé. À la poche, j'avais l'impression d'être payé en francs CFA.